Bon, quelle meilleure manière de se préparer pour un quart de finale que par une si belle victoire. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, on a réalisé notre victoire ici. C'était pas facile contre une bonne équipe qui ont fait une bonne saison. On était là physiquement et on était prêts physiquement et mentalement. Voilà, maintenant, ça reste 3 jours pour bien récupérer. On jouera notre match décisif contre Juventus. Et j'espère que tout ira bien pour nous et faire une bonne résultat. Vous trouvez que vous êtes vraiment, vraiment très à l'aise, voire plus à l'aise à l'extérieur. Comment vous l'expliquez, ça? Non, notre objectif toujours de jouer chaque match et à 100% et de gagner tous les matchs qu'on joue. Mais parfois, malheureusement, on n'a pas de réussite, surtout à domicile. À l'extérieur, toujours, on trouve beaucoup d'espace. Et on est là et comme par hasard, on gagne toujours 3-0, 2-0, contre des bonnes équipes à l'extérieur. Mais je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut bien préparer maintenant sur tous les plans. Le prochain match, ça va être décisif et surtout toute la fin de saison. Et on peut dire que jusqu'à maintenant, on est bien. C'est vrai, on n'a pas gagné les deux derniers matchs à domicile contre Saint-Étienne et Montpellier. Aujourd'hui, on était là, on a gagné. Et j'espère qu'après 3-4 jours, on fera la même chose. C'est un énorme défi pour vous mardi. Énorme défi. Oui, contre une bonne équipe. C'est la Juve. On va tout faire pour archer quelque chose de grand à l'extérieur. La meilleure équipe que j'ai vue à Orlando cette saison. Alors on avait effectivement l'espoir de leur poser des problèmes, on avait l'espoir de gagner le match, enfin voilà, on l'avait préparé pour ça, mais on a été trop peu performant pour pouvoir le faire. On a fait illusion pendant 20 minutes, après ensuite on a eu beaucoup trop de déchets techniques pour espérer quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est? C'est le physique ou quoi? Non, c'est la technique. C'est la faute d'un adversaire qui est clairement supérieur, c'est Jean-Patrice. Ah ben, il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Pour pouvoir battre un adversaire comme ça, il faut... ce qu'on avait prévu, c'était mettre du rythme, faire un gros pressing sur le milieu de terrain, et puis les perturber dans la profondeur sur les côtés. Pendant 20 minutes, j'ai cru qu'on allait faire un gros match. Franchement. Mais après, déjà derrière, le déchet qu'on a eu, même sur des ballons qui arrivaient tout seuls, on n'avait qu'un contrôle à faire, une bonne relance, on mettait des coups de tête, on en rendait tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé mon équipe sur le plan technique en dessous de ce qu'elle est capable de montrer. Donc après, moi, cette équipe de Monaco, elle m'a impressionné à la fois par son potentiel offensif, mais surtout sur la qualité de leur collectif. C'est une équipe sur le plan collectif qui est très très forte. Individuellement aussi, parce que les buts quand même... Ouais, mais on parlait souvent de certains joueurs de Monaco comme des gens individualistes qui jouaient pour eux. J'ai vu des gens individuellement très très forts, mais jouer entre eux comme une équipe. Et là, c'est compliqué pour l'adversaire. C'est ce qui fait la différence. Oui. Pardon ? Tu les vois sortir la Juve à cette fois-là ? La Juve, ils sont plus forts que nous aussi. Hein. S'ils se battent sur le match qu'ils ont fait là, j'en sais rien, c'est la Coupe d'Europe, ça va être des gros matchs, mais faut pas croire que Monaco va prendre une tôle contre la Juve sur les deux matchs. Hein. C'est une équipe qui a des moyens quand même. Je trouve que c'est une très 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 belle équipe. Par rapport au gros calibre que tu as pu voir en Ligue 1 ici à Dordano, est-ce que c'est le plus gros collectivement justement? À Dordano, je trouve que c'est la meilleure équipe qu'on ait vue. Marseille m'avait beaucoup impressionné par son... Parce qu'à l'époque, au match aller, il faisait un gros gros pressing. Mais contre Marseille, on a eu des possibilités. On perd à la fin, mais on a eu des occasions de but et... Contre eux, contre Monaco, à aucun moment, après les 20 minutes, à aucun moment j'ai pensé qu'on pouvait gagner le match. Bon, c'est une petite claque quand même. Est-ce que Monaco vous a impressionné ce soir, a été beaucoup trop fort pour vous? Après, ça reste une très grosse équipe. Pardon. C'est vrai que ça a été très difficile. On a eu beaucoup de mal et voilà, le score, d'où le score 3-0, amplement mérité pour eux. Après, voilà, on ne s'attendait pas non plus à gagner 5-0, mais voilà, ils ont été, je pense, au-dessus de nous ce soir et c'est amplement qu'ils méritent leur victoire. Il n'y avait quasiment rien à faire ce soir? Bah, c'était très compliqué, hein. on a essayé de tout donner. Malheureusement, eux, ils ont su nous mettre en difficulté sur nos points faibles. Et voilà, ils ont concrétisé leur action et nous,
voilà, nous on va travailler pour se concentrer sur les matchs à venir et puis voilà, ça arrive de perdre. On attendait de voir peut-être un poil plus libéré, vous jouiez sans grande pression, vous l'aviez dit hier. Je pense qu'on a joué sans pression, mais on a joué contre un adversaire vraiment, je dirais, au-dessus de nous. Après, c'est avec pression ou sans pression, je pense que Monaco, ça reste Monaco par rapport à nous. Je pense qu'ils étaient au-dessus ce soir. Ça remet rien en cause ou on va commencer à regarder de nouveau un peu derrière ? Non, pour l'instant, malgré la défaite, pour l'instant, on a encore 6 points. Après, même avec les résultats de dimanche, on peut encore rester à 6 points, voire 5. Donc, pour l'instant, ça va. On va se concentrer sur l'avenir et se concentrer sur nous, puisqu'on a notre destin entre nos mains. Donc on va tout faire pour justement pouvoir gagner au moins un ou deux matchs encore sur ce qui reste à venir. Merci. C'était une équipe. Le défi est immense mardi soir. C'est un défi immense, mais là on a déjà fait un très beau parcours avec les champions. J'espère qu'on va pouvoir continuer et montrer que les champions. Est-ce que la clé, c'est de marquer au moins un but à l'extérieur? Oui, c'est sûr, marquer à l'extérieur, ça permet de. Si on a à domicile, les résultats sont plus ou moins importants, ça tombe d'où? La blessure de.